Mais la situation qui prévaut m'oblige à prendre le micro et à m'adresser au corps du Christ. Alléluia. Je trouve qu'il n'est pas normal. Je trouve, pour ma part, qu'il n'est pas normal qu'il y ait des prières de combat basées sur la colère. Et que les trois quarts de membres de l'Église soient affectés par l'esprit de colère. Je trouve qu'il n'est pas normal. Et je trouve que vous ne travaillez pas sur vous. C'est pourquoi toutes les fois où des prières de combat basées sur la colère sont effectuées et que plusieurs d'entre vous, il n'y a pas que l'Église de Bassam, sont toujours affectés par l'esprit de colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la base, vous ne travaillez pas sur vous-même. Ça veut dire qu'à la base, quoi que vous êtes dépouillé de corps, en ce qui concerne la sanctification du cœur, jusqu'à présent, vous ne faites aucun effort sur vous. Ce matin, le Seigneur me disait, dis-leur de prendre garde qu'ils ne m'approchent et qu'ils ne pêchent contre mon esprit. Lorsqu'on entend les raisons pour lesquelles vous vous mettez en colère, ou lorsqu'on entend des démons dire la situation, ou la façon dans laquelle nous sommes rentrés dans votre vie par la colère, c'est des choses banales. C'est des choses puériles. C'est des choses qu'on entend dans le monde, mais non pas dans le corps du Christ. Je trouve inadmissible que les personnes qui sont ici, donc un an de vie chrétienne, deux ans de vie chrétienne, trois ans de vie chrétienne, quatre ans, cinq ans de vie chrétienne, dès qu'on dit prière de combat sur la colère, tu les vois tous étalés ici. Et ce sont les démons qui rigolent. J'ai bien envie de vous poser cette question. Quel est le but pour lequel on est venu à Christ? Quel est le but pour lequel on est venu à Christ? Comment on peut retrouver encore un esprit de colère dans la vie de quelqu'un qui depuis un an, deux ans, six mois, quatre ans, cinq ans, il est avec nous? Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, quoi que vous êtes dépouillé le corps, mais vous n'arrivez pas à dépouiller votre cœur. Et les raisons sont des raisons banales, puériles. Depuis la semaine dernière ou la semaine passée, toutes les églises que j'ai sillonnées, c'est le même problème. Les problèmes de cœur, la colère, la rancune, l'orgueil. On refuse d'être brisé. On refuse qu'on nous donne des conseils. On est épidermique. Pour nous, ça ne reste pas à l'étranger. Mais quoi le sens de l'humilité? Où est la douceur dont parle Galates 5, verset 22? Où est la maîtrise de soi dont nous parle le Seigneur Jésus-Christ? Où est le pardonner et oublier? Alors on veut rentrer au ciel avec la colère. Il y en a même qui vont jusqu'à se mettre en colère pour des petites choses vis-à-vis de leurs enfants. Il y en a même qui traitent leurs filles comme leurs propres rivales ou leurs fils comme des propres rivaux. Il y en a qui sont dans l'église, qui ne peuvent pas accepter qu'on leur donne le moins conseil. Le moins conseil. Ils sont tellement spirituels que tu n'as pas intérêt à venir leur parler. Et vous espérez aller au ciel avec ça. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Faites très attention à vous. Je le dis la dernière fois en vrai. Avec l'esprit de colère qui vous habite, si la trompette sonne, vous n'irez pas au ciel. Vous ne direz pas que vous n'avez pas été prévenu. On fait un travail herculéen tous les jours sur vous. Les enseignements, les délivrances, les prières.
Mais dès qu'on dit prière de combat sur la colère, surtout les femmes. Excusez-moi de le dire, surtout les femmes. Surtout les femmes. Mais bien aimé, apprenez à être comme des enfants. Surtout les femmes. Apprenez à être comme des enfants. Apprenez à vous humilier. Apprenez à marcher en simplicité de cœur. Apprenez à être patiente. Apprenez à être brisée. Apprenez à marcher avec douceur. Vous avez oublié que vous serez jugé selon vos œuvres. Vous avez oublié que vous serez jugé non pas parce que vous êtes à Jésus rivière. Vous serez jugé non pas parce que vous êtes attaché à l'apôtre Abraham. Mais vous serez jugé selon vos œuvres. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre sur vous un moment de jeûne et de demander au Seigneur de retirer de vous la colère, la bipolarité, la méchanceté, le manque de douceur, le manque de maîtrise de soi? Qu'est-ce que ça vous coûte? Vous venez ici dans quel but? Quelle est la raison pour laquelle vous venez ici? Il y en a qui ne se parlent pas. Il y en a qui se poutent. Il y en a qui ne supportent pas qu'on leur donne des conseils. Il y en a qui ne supportent pas qu'on leur parle. Il y en a qui ont des principes qui dépassent même les principes qui manquent de la parole de Dieu. Il y en a qui ont des règles qui sont au-dessus des règles de Dieu. Vous voulez aller où avec? Oui. Jacques disait tout à l'heure en riant. Mais c'est la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de femmes au ciel. Oui, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de femmes au ciel. À cause de votre orgueil, à cause de la colère, à cause du manque de maîtrise de soi, à cause de votre méchanceté, à cause de, pour moi ça ne reste pas à l'étranger. Dans ce cas, pourquoi vous êtes dépouillé? Dans ce cas, dites-moi, pourquoi vous êtes dépouillé? Si on prend votre vieille nature, doit ressurgir à chaque fois que le Seigneur vous éprouve. Oui, parce que quand une situation arrive, sachez que le Seigneur va vous éprouver. Vous avez tellement de principes qu'on ne peut pas vous parler. Vous avez tellement de principes qu'on ne peut même pas cohabiter avec vous. Vous avez tellement de règles qu'on ne peut même pas s'amuser même à vous frotter. Vous êtes des païens ou vous êtes des chrétiens? Vous êtes réellement nés de nouveau ou bien c'est un effet de mode? Le livre de Proverbes 29, verset 22 dit: un homme en colère excite les querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Prenez garde de vous approcher du trône de la gloire et de ne pécher contre le Saint-Esprit. Travaillez sur vous. Travaillez sur vous. C'est toujours la même rengaine. Quand on dit esprit de colère sort, c'est les trois cas de l'Église et c'est dans toute la Côte d'Ivoire, c'est dans le monde entier. Or, vous êtes dépouillés de corps. Beaucoup de vos maris ne viennent pas ici. Pourquoi? Parce qu'ils disent que eux, quand ils vous regardent, vous n'êtes pas convertis. Parce que quand ils vous regardent, moi que vous êtes dépouillé le corps, mais le cœur n'est pas converti. Vous êtes insoumis à vos maris, rebelles à vos maris. Vous traitez vos enfants comme des pestiférés, comme s'ils n'étaient pas sortis de vos entrailles. Vous n'avez aucun sens de l'amour. Vous les faites pleurer. C'est avec cette attitude que vous allez au ciel. Dites-moi, vous pensez que c'est avec cette attitude que vous irez au ciel? On peut admettre que les nouveaux convertis, quand on fait des prix de combat basés sur la colère, qu'ils soient frappés par la puissance du Saint-Esprit. Mais pas vous les anciens. Mais pas vous les anciens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, malgré tout ce qu'on fait ici, les enseignements, les prières, vos vies sont pareilles. Ça veut dire que, quoi que vous ayez mis le voile et la longue robe, non. Il y a encore de l'animosité dans vos cœurs. Il y a encore de la méchanceté dans vos cœurs. Il y a encore de la jalousie, de la calomnie dans vos cœurs. Et dites-moi, avec tout ça, comment techniquement vous voulez que le Seigneur vous accorde la grâce du ciel? Dites-moi, comment techniquement vous voulez que le Seigneur vous accorde le ciel? Vous ne vous parlez pas. Vous vous portez en vous. Vous ne supportez pas les conseils. Vous ne supportez pas les avis. Vous avez la prétention de faire la morale aux autres. Oh, vous-même, vous êtes rempli d'hypocrisie, rempli de méchanceté, de colère, rempli de rancune. Je ne vous comprends pas. Je vous entends, je vous vois. Je me dis, mais à qui montons-nous? À qui voulons-nous faire croire que nous sommes réellement sanctifiés? À qui montons-nous?
vous, sincèrement, j'ai mal. Sincèrement, j'ai mal pour vous. Sincèrement, j'ai mal pour vous. En principe, vous savez, naturellement, quand on est dans un milieu, on va tenter de se bonifier dans le milieu dans lequel on est. Ça peut être dans ses études, ça peut être dans le football, ça peut être dans les arts martiaux, ça peut être dans les rapports qu'on a avec sa femme ou son mari. On va tenter de se bonifier pour être le meilleur des meilleurs dans son domaine. Mais la vie chrétienne est la plus belle façon de se bonifier au quotidien. Je sais que je suis colérique. Je dois travailler sur moi pour éviter de tomber dans la colère. Mais c'est ceux-là qui font les arts martiaux. C'est ceux-là qui pratiquent le football. Travaille sur au quotidien pour être les meilleurs dans le domaine. Vous n'allez pas essayer de travailler sur vous-même afin d'être les meilleurs et de plaire au Seigneur Jésus-Christ au soir. Ou afin que, lorsque la trompette sonnera, qu'au soir de votre vie, vous aussi vous soyez enlevés. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Quoi? La vie chrétienne, c'est un effet de mode, c'est ça? C'est ça, c'est un effet de mode. On va crier dans les rues, répentez-vous. Abandonnez vos vieilles natures. Mettez de l'ordre dans vos vies. Pendant que vous-même, vous n'avez pas encore abandonné votre vieille nature. Comment peux-tu avoir la prétention de dire, enlève la paille qui est dans ton œil. Or, toi-même, tu n'as pas encore enlevé la poutre qui est dans ton œil. Tout à l'heure, je disais aux hommes de Dieu, ça commence à me fatiguer. Sincèrement, ça commence à me fatiguer. Évidemment, ça commence à me fatiguer, ça commence à fatiguer mon Seigneur. Je ne peux pas admettre que le matin, tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et puis le soir, le même esprit qu'on a chassé revient encore en disant oui, c'est parce qu'elle est tombée dans la colère que je l'ai eue. C'est quoi? Et quand on entend le diable parler, non, j'ai utilisé l'enfant pour la mettre en colère. J'ai utilisé un enfant. Et c'est quoi des petites choses? L'enfant criait, elle s'est fâchée, elle s'est saisie de l'histoire de l'enfant, elle a mis ça sur elle et ça ouvrait une porte brillante. Et le diable est rentré dans son cœur. Vous ne voyez pas que le diable vous éprouve pas des petites choses. Vous ne voyez pas que le diable, vous connaissant, vous éprouve pas des petites choses. Et puis vous, comme des bons paniers, vous retournez à vos fourmis. On entend des propos grossiers, des propos injurieux qui sortent de votre bouche, tels des gens qui sont dans le monde. À partir d'aujourd'hui, si on fait une prière de combat, basé sur la colère que tu tombes, tu finis, on te met dehors. Tu vas prendre 21 jours de jeûne chez toi à la maison. Et le 21e jour, on va prier pour toi. Je ne peux pas admettre qu'on fasse prier de combat basé sur la colère et tu tombes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Regardez le temps qu'on a passé là-bas. Pas moins d'une quinzaine de personnes. C'est à peine qu'on vient de finir. Or, nous aussi, on a besoin d'être nourris. Nous aussi, on a besoin d'être enseignés. Tout le temps. On vous dit, si vous avez des problèmes d'ordre spirituel, venez à la chaudière. Vous ne venez pas à la chaudière. Au cas où vous venez, vous faites semblant. Vous épuisez l'Esprit de Dieu. Vous nous épuisez. Et au sorti de là, on constate que les mêmes esprits que le Seigneur a chassés, les mêmes esprits ressurgissent avec sept démons pour Goliath. À un moment, vous n'êtes pas fatigué. À un moment, vous n'êtes pas fatigué. Regardez autour de vous. Ces temps sont venus, ça fait même pas un an. Mais regardez comme ils croient spirituellement. Regardez comme ils grandissent spirituellement. Et vous êtes dans des petites tests, dans des petites choses. Non, moi je ne parle pas à lui. Non, je ne parle pas à elle. À partir de lui, c'est fini. Moi j'ai des principes de vie. Moi j'ai des règles. Bien aimé, si tes règles ne sont pas conformes à la sainte doctrine, rentre chez toi. Si tes principes de vie ne sont pas conformes aux principes de vie de la sainte doctrine, rentre chez toi. On est déjà fatigué de voir Satan nous combattre au quotidien. Pour que toi tu la ramènes avec tes caprices. Je ne permettrai plus de voir ce que j'ai vu aujourd'hui. Quand tu sors d'ici, tu prends un moment de jeûne et tu demandes au Seigneur Jésus de te briser. Tu demandes au Seigneur Jésus de te briser. Je ne peux pas accepter que des petites prières viennent faire tomber les anciens des anciennes. Surtout les anciennes. Je ne peux pas admettre cela. Au moment d'un instant, tu as fait 6 mois ici, tu es l'ancien. Au moment d'un instant, tu as fait 6 mois ici, tu es une ancienne. Les nouveaux, c'est tolérable. Mais vous, qui êtes déjà attachés à la sainte doctrine, ces comportements de païens, je ne veux plus les voir ici. Ce démon de la colère, je ne veux plus le voir ici. Je ne veux plus le voir ici.
ces principes ou vos règles de vie qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, je ne veux pas les entendre ici. Ne venez pas ici pour pécher contre le Saint-Esprit. On vous donne nos doigts, on vous donne l'église, on vous demande de vivre avec nous. Et c'est tout le temps des palabres. C'est tout le temps des palabres. C'est tout le temps des palabres à l'emploi fini. Le vendredi, j'ai eu une réunion avec certaines personnes. Il y a quelques semaines, j'ai parlé à quelques-unes d'entre vous. Je ne veux plus revenir sur les mêmes propos. Tout à l'heure, on m'a encore signifié qu'il y a des mésententes entre vous. Ce genre de mésententes, je ne veux plus les voir dans l'église de Dieu. Si tu as mésentente avec quelqu'un, va, règle la mésentente. Si tu as discorde avec quelqu'un dans l'église, va vers elle, va vers lui et règle cette discorde-là. Le Seigneur ne fait pas prendre une église divisée. Le Seigneur Jésus ne fait pas prendre des personnes remplies d'amertume, de rancœur, remplies de désirs de vengeance ou de division. Donc si tu es ici et que le message te concerne, va vers la personne. Va vers la personne. Vois que nous avons fait la grâce de vivre dans l'église. Si vous êtes difficile de vous conformer à des caractères tels que la maîtrise de soi, tels que la douceur, tels que le pardon, tels que la tempérance, si tu ne peux pas accepter ces vertus-là, tu prends la porte et tu nous colles la paix. Et tu nous colles la paix. Et tu nous colles la paix. On a suffisamment fort à faire avec Satan pour passer tout le temps que nous devons être concentrés pour préparer des prédications pour le corps du Christ. On va venir régler des problèmes de femmes. On va venir régler des problèmes du village. On va venir régler des problèmes de règles de principe. Je vous mets en garde. La dernière fois que j'entends que quelqu'un s'est disputé avec quelqu'un, je le vis pour l'église. On est fatigué. On est fatigué de voir que des petits démons, tels que le démon de la colère, de la rancune, de la méchanceté, de la jalousie, habitent les enfants de Dieu. Je ne peux plus accepter ça dans l'église de Dieu. Regardez tout le temps qu'on a pris là. Pratiquement tous les hommes de Dieu étaient là-bas. Sauf le prophète Daniel et je crois l'apôtre Jean. Je suis fatigué de voir ça. Et mon Seigneur Jésus, le Dieu qui s'est révélé à moi, est lasse de voir de telles attitudes dans la vie des enfants de Dieu. Avant d'aller moraliser l'extérieur, commencez par être d'abord des personnes dignes de morale. Éphésiens 4, verset 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Je ne sais plus dans quel langage parler. Je ne sais plus dans quel langage vous parlez. C'est vous qui faites que les religieux, les païens disent, oui, vous êtes des pieds de corps, mais votre cœur est rempli de méchanceté. C'est vous qui le faites. C'est vous qui faites que certaines personnes disent, c'est à cause de son comportement que je ne veux pas venir ici. À l'époque, on avait évangélisé une dame à la gare de Bassam. Et quand elle est venue pour la première fois à l'église, elle nous a dit, homme de Dieu, cette dame-là, elle est dans votre église. Je lui ai dit, oui. Elle est ici, elle est dans votre église, moi je ne viens plus ici. Je lui ai dit pourquoi. Elle m'a dit, aïe, ce qu'elle nous montre au quartier, arrogante, injurieuse, colérique, belliqueuse, querelleuse, Et c'est cette attitude qu'elle a ici. Moi, je ne viens pas. Si elle est ici, je ne viens pas. Elle est partie, elle n'est plus jamais revenue. Évidemment, toutes les femmes ont prié, elle avait des problèmes de cœur, cette dame-là. Parce que l'attitude qu'elle avait devant nous était contraire à l'attitude qu'elle avait dans son quartier. Il ne faut pas que cela soit ici pour vous. On est toujours en train de, par la puissance de Jésus, chasser les mêmes démons. Pourquoi toi dans ta vie, c'est toujours les mêmes démons qu'on chasse. Ça veut dire que, au-delà de tout ce qu'on sait, toi-même personnellement, tu n'as jamais pris des résolutions. Tu n'as jamais pris de bonnes résolutions. Or, la parole de Dieu dit quoi? À tes résolutions, on reprendra ton succès. C'est parce que tu n'es pas résolu qu'à chaque fois, les mêmes démons se manifestent. Mais là, tu es devenu terrain de foot. Tu es devenu balle de ping-pong pour les démons. Une de toi, c'est toi qui tombe. Et je vous préviens, vous qui avez cette manie de toujours tomber lorsqu'on prie, le jour du tombissant, tu mets dehors. Ce sont les voisins avec les démons là qui vont prier et puis ça sortit. Vous allez faire les statistiques. Toutes les fois, on dit veillez de prier, prière de combat. Regardez, c'est les mêmes personnes qui tombent. Et pour les mêmes sujets, il y a quoi? Un moment, toi-même, tu n'es pas fatigué de te faire humilier par le diable.
Un moment, toi-même, tu n'es pas fatigué de te lever ici rempli de sable et de poussière. Un moment, tu ne te dis pas, mais écoutez, il est temps pour moi de quitter la colère, le mensonge, la duplicité, l'impudicité. C'est quoi? C'est devenu un jeu. Souvent même, tu as l'impression qu'on paye les gens. On paye un groupe de personnes pour faire du cinéma. Je regarde, c'est les mêmes personnes qui tombent. C'est pourquoi, cette veille-là, je te préviens. Je te préviens. Peut-être que cette semaine-là, tu vas prendre un moment sur toi de jeûner, de faire ton auto-délivrance avant de venir ici. Et c'est les mêmes qui viennent à la délivrance, qui sont possédés de démons et qui viennent chasser les démons. C'est les mêmes qui, lorsque les personnes sont ici, viennent ici pour prier. Mais toi-même, tu n'es pas encore gagné à Christ et tu as la prétention de vouloir faire sortir de quelqu'un d'une prison. Méfiez-vous. 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 L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de l'abusement. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de l'abusement. Et vous sortez d'ici chargé de démons que transformés. Toi que je connais. Toi dont je connais l'état spirituel. Et puis pendant le combat, tu vas venir prier pour quelqu'un. Je vais t'exposer. Je vais t'exposer. Il y en a tout à l'heure, j'ai dit, je ne peux plus vous voir ici. Allez là-bas. Parce que vous-même, vous n'êtes pas encore transformé. Et cet esprit de calomnie, de clanisme, de division qui règne depuis un moment dans l'église. Quand je laisse le micro, allez vous réconcilier. Quand je laisse le micro, allez vous réconcilier. Sinon, quand je reviens ici, je vous expose. Ancien, vieux, jeune, nouveau, père, je vous expose. L'église que le Seigneur m'a confiée, il ne m'a pas dit qu'il allait avoir la division là-dedans. L'église que le Seigneur m'a confiée, il n'a pas dit qu'il allait avoir des clans là-dedans. Je vous parle aux anciens comme aux nouveaux. Je vous parle et je vous mets en garde. Si vous êtes venus ici dans le but de détruire l'œuvre de Dieu, nous allons vous vider. Si vous ne voulez pas vous convertir, si vous ne voulez pas vous comporter comme des enfants, et que vous avez encore votre orgueil en vous, nous allons, comme on était à l'église catholique, vous excommunier. Tu peux aller au Bénin, tu peux aller chez les voisins, tu peux aller où tu veux, mais tu ne vas plus rentrer ici. Tu ne vas plus rentrer ici. Le diable ne va pas se servir de toi comme son agent pour détruire l'œuvre de Dieu ou pour malmener les enfants de Dieu. C'est pourquoi je te préviens. C'est pourquoi je te préviens. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de l'abusement. Nous ne sommes pas ici pour venir abuser la galerie. Ou ce n'est pas une bande de messieurs qui sont venus escroquer des gens. Donc si tu sais que tu as des faiblesses en toi, au sortir d'ici, rencontre des hommes de Dieu afin qu'ils prient pour toi. Si tu sais que la colère te domine, la rancune te domine, si tu sais que l'esprit de calomnie, de division te domine, approche les hommes de Dieu, ou ceux qui sont face là-bas, les hommes de Dieu qui sont face, afin qu'ils prient pour toi. Mais si j'entends qu'il y a encore dans ta vie ce genre de choses, on va te bénir. Si j'entends que tu es un sujet de division dans le corps de Christ, je vais me permettre à loisir de te filer de l'église. Après, on attendait au salut. Bien-aimé, j'en parle pourquoi? J'en parle pourquoi? J'en parle pourquoi? Vous allez écouter le témoignage d'une jeune, je vais dire ex-sorcière, tout à l'heure. Elle était dans nos mains et le Seigneur a commencé sa délivrance. Elle va vous donner quelques mots d'opératoire. Comme elle arrive à détruire les foyers, la vie des chrétiens, comme elle arrive à détruire des couples, comme elle arrive à détruire les enfants de Dieu. Prends ton stylo, prends ton cahier. On va demander de venir. On va faire venir ici notre fille amie. On va lui demander de venir. Mais je t'en prie. Je t'en prie. Si tu as décidé de t'attacher à nous, si tu as décidé de t'attacher à la sainte doctrine, si tu as décidé de t'attacher au Seigneur Jésus-Christ, je t'en prie. Abandonne toutes ces choses que je viens de citer. On peut avoir un parapluie et un micro pour elle. Dans la foulée, si tu étais en discorde avec quelqu'un, va vers la personne et réconcilie-toi définitivement. Parce que le dimanche prochain, quand je m'assois ici, je vous expose. Je vous expose. Si tu es en discorde avec quelqu'un dans l'église, va vers la personne et réconcilie-toi sincèrement. Sinon, le dimanche, c'est le sujet du jour. Ce sera l'exposition de tous ceux qui sont animés d'un esprit de colère, de division, de clanisme. Va vers la personne. Lève-toi de ta chaise, va vers la personne. Lève-toi de ta chaise, va vers la personne. Réconcilie-toi sincèrement. Va vers la personne. Et réconcilie-toi sincèrement. Bien-aimé, n'aie pas honte. Bien-aimé, n'aie pas honte.
Bien-aimé, laisse de côté ton orgueil et va te réconcilier sincèrement avec cette personne sans quoi le dimanche je prends mes responsabilités et je t'expose devant le Seigneur Jésus, devant Lucifer, devant les anges du Seigneur Jésus et devant toute l'église. Donc de là où tu es, lève-toi, lève-toi, lève-toi et va te réconcilier. Mets de côté ton orgueil. Lève-toi, mets de côté ton orgueil et va te réconcilier avec la personne avec laquelle tu discordes. Bien-aimé, le Saint-Esprit est en train de parler. Lève-toi. Lève-toi de ta chaise. Le Saint-Esprit te parle avec cette douce voix. Lève-toi, va maintenant. Prends courage. Va voir ta soeur et demande pardon. Va voir ton frère et demande pardon. Va voir ton mari et demande pardon. Va voir ton épouse et demande-lui pardon. Va voir tes enfants que tu fustiges tous les jours, que tu maudis tous les jours et demande-leur pardon. Va vers ton prochain et demande-lui pardon. Va vers ta soeur et demande-lui pardon. Va vers ton frère et demande-lui pardon. Je suis que là où tu n'es pas en discorde, en mésentente avec quelqu'un dans l'église. Tu es sûr, hein? Tu es sûr de toi que tu n'es pas en discorde avec quelqu'un dans l'église. Lève-toi de ta chaise. Lève-toi de ta chaise. Va demander pardon. Lève-toi de ta chaise. C'est ton honte. Bien-aimé au ciel, détache-toi, va demander pardon. Il est mieux lève-toi de ta chaise. Va demander pardon. Va demander pardon. Je ne tolérerai en aucun cas qu'il y ait des clans, des divisions, des disputes dans l'église. Lève-toi de ta chaise et va demander pardon. Rentre plus profond de toi-même. Tu ne t'es pas disputé, tu n'as pas manqué de respect. Tu n'as pas injurié quelqu'un durant le cours de la semaine, durant le cours du mois. Tu n'as pas élevé la voix contre quelqu'un. Tu n'as pas gardé quelqu'un en rancune. Lève-toi de ta chaise et va demander pardon. Tu n'as pas manqué de respect. Tu n'as pas injuré quelqu'un. Tu n'as pas tenté de faire la morale à quelqu'un avec une allure grossière ou injurieuse. Les chants, les instrumentistes, parmi vous, il n'y a pas de discorde. Il n'y a pas de discorde parmi vous. Séphora, Déborah, Ruth, Marie, il n'y a pas de discorde. Gédéon, Israël, homme de Dieu, Adonis, entre vos éléments-là, il n'y a pas de discorde. Lève-toi, même si c'est toi qui as raison, lève-toi, va vers ton frère. Il ne veut pas venir, lève-toi, va vers ton frère. Va vers ton mari. Non, c'est ma première fois de venir, va vers ton mari, va vers ta soeur. Vous qui vivez ici, dans l'église, vous qui êtes dans la demeure, dans le temple, dans le bâtiment de Dieu, il n'y a pas de conflit. Vous qui êtes ici à l'église, en vous, il n'y a pas de dispute. Vous qui demeurez ici dans l'église, n'y a-t-il pas de mésentente entre vous? Ce n'est pas le lieu de vous entendre. Vous qui vivez ici, dans l'église bâtiment, toi aussi que je suis la tutelle de quelqu'un, toi aussi que je suis la tutelle de quelqu'une, ne l'as-tu pas frustré? Toi qui vis sous la tutelle de quelqu'un, toi qui vis sous la tutelle de quelqu'une, n'y a-t-il pas eu de mésentente, de dispute entre vous, d'amis proches entre vous? Alléluia. Toi, enfant, n'as-tu pas manqué de respect à tes parents? N'as-tu pas bouté tes parents? Enfant, il est temps de te renoncer au verset 16. Honore ton père et ta mère. Enfant, est-ce que tu n'as pas manqué de respect à tes parents? Enfant, est-ce que tu n'as pas manqué de respect à ton proche, à ton père ou à ta mère? Vous les enfants là, vous êtes corrects, c'est ça non? Vous les enfants là, vous êtes corrects.
Allez retrouver vos parents et demandez-leur pardon. Allez retrouver vos parents et demandez-leur pardon. Allez retrouver vos pères et vos mères et demandez-leur pardon. Pour toutes les fois où vous avez été rebelles vis-à-vis d'eux. Pour toutes les fois où vous avez refusé de les écouter. Pour toutes les fois où vous êtes lancé gardé par votre cœur et non pas parce qu'ils vous disaient. Femme, femme, moi qui étais soumise à ton mari. Femme, moi qui étais insoumise à ton mari. Vas-y, ton mari. Mets-toi en genoux devant ses pieds. Mets-toi en genoux devant ses pieds. Et demande-lui pardon. Femme, mets-toi à genoux devant les pieds de ton mari. Et demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Pour ton insoumission. Pour ta rébellion. Pour ton comportement acariâtre. Mets-toi à genoux devant les pieds de ton mari. Et demande-lui sincèrement pardon. Homme. Homme, toi qui as méprisé ta femme, toi qui as humilié ta femme, toi qui l'as rabourrée, toi qui l'as blessée dans son amour propre, va vers elle, prends-la dans tes bras et demande sincèrement pardon à ton épouse. Prends ton épouse et demande-lui sincèrement pardon. C'est le moment de te réconcilier avec ton proche. C'est le moment, c'est l'heure de la réconciliation. Bien-aimé, c'est l'heure de la conciliation. C'est l'heure de véritablement faire la paix avec ton proche. Mais dis pas dit en Matthieu 5 au verset 9 que ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Vous-même, appelez. Appelez, entre vous, appelez. S'il y a des conflits, des mésententes, va vers ton proche et demande pardon. En vous appelez, appelez de Dieu. S'il y a des conflits, va vers ton proche et demande-lui pardon. Les anciennes, les anciennes, les anciennes, les anciennes. Si en vous, il y a des mésententes, si en vous, il y a des malentendus, déplacez-vous. Adonai, 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 Adonai
De lui-même que celui qui prend des villes. Je reprends. Proverbe 16, verset 38. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Et Proverbe 19, verset 11 dit: l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. La femme qui a de la sagesse est lente à la colère. Et elle met sa gloire à oublier les offenses. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Et elle met sa gloire à oublier les offenses. Et il met sa gloire à oublier les offenses. À les oublier. Bien aimé, une chose est de pardonner. Une autre chose est d'être lent à la colère. Une autre chose est d'oublier. Est d'oublier. Tu ne prends aucun cas à dire que tu as pardonné. Il est venu là-dessus à chaque fois. Tu ne peux pas dire que tu as pardonné. Et à chaque fois te ressasser du mal qu'on t'a fait. Bien aimé, cela veut dire que tu n'as pas pardonné. Cela veut dire que tu n'as pas oublié. Cela veut dire que tu as toujours de l'encore. Alléluia. Lorsqu'on pardonne, on oublie. Lorsqu'on pardonne, sache-le une bonne fois pour toutes. On oublie. Et c'est ce que le Seigneur attend de toi. Regardez les enfants. La plus belle image du pardon et de l'oubli, ce sont les enfants. Tu vas châtier un enfant tout de suite. Certes, il va pleurer. Il va partir. Mais les minutes qui suivent, il reviendra dans tes bras.
N'est-ce pas l'attitude qu'ont les enfants? Tu vas châtier un enfant tout à l'heure, il va pleurer, il ira. Mais les minutes qui suivront, il reviendra dans ton bras. Comme pour te dire, non seulement il t'a pardonné, mais aussi, il a oublié l'acte que tu as eu à poser contre lui. C'est ainsi que le Seigneur veut que nous soyons. Bien aimé, c'est ainsi que le Seigneur veut que tu sois. Non seulement que tu pardonnes, mais aussi que tu oublies. Non seulement que tu pardonnes, mais aussi que tu oublies l'offense qui a été faite contre toi. Voilà ce que Jésus, Adonai, Eli, l'Alpha et l'Oméga, attendent de chacun de nous. Voici ce que notre Dieu attend de chacun de nous. Qu'on pardonne, mais au-delà du pardon, qu'on se transcende et qu'on oublie l'acte que l'on a eu à poser contre nous. Alléluia. Que le Seigneur te pardonne. Allez, viens. Ami à toute ex-sorcière, que le Seigneur a délivré tout à l'heure.